Attention, chez certaines personnes, plus particulièrement chez les personnes atteintes d'épilepsie, une séquence inclue à cette vidéo pourrait être dangereuse. Prenez soin de vous. Je savais qu'il allait l'agresser, mon pote. Va pas trop dans l'eau, bonhomme. Hein. Va pas trop dans l'eau, ça va? Ça va? Ça va. Oh, elle a levelé. J'avais pas vu. Elle a levelé. Cool. Tiens, vas-y, bouffe de dégâts au corps à corps. Elle est encore plus efficace comme ça. Et on va aller... Ah, alors, attends. Ah, tu l'aimes vraiment pas, j'ai l'impression. Wow. Je peux manger? What? Aïe. Salté, toi, t'es à moi, désolé. Il faudra que tu m'expliques comment tu ne prends pas le coup. Va pas dans l'eau. Non, va pas dans l'eau. Siffler revenir. Aha. Aha. Mais non. Du coup, je suis sûr que t'as bouffé aussi mon narcotique. Bon, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, chers amis, toujours, quelle bestiole est intéressante, quelle bestiole ne l'est pas, ce que je peux faire avec certaines, les conseils et les astuces en règle générale que vous pourriez me donner directement dans les coms. Et moi, je vous afficherai et en parlerai dans la prochaine session, tout simplement. Je commence à me demander un peu où est ma base, au passage, mais... C'est sûr. Merde. Comme une merda, culeros. T'es où? Tu... Viens. T'es quand même pas coincé contre un bout de bois. That pathfinding. T'es dodo. Génial. Ça, par contre, je vais en garder hein. Un dodo mâle et un dodo. Oh, ça peut être intéressant. Ah. Tiens, prends un seul. Prends un narcotique et prends moult B. Bien. J'essaie de prendre un deuxième dodo femelle avec. Un mâle. Mâle dodo. Bonus de couple en plus. Coucou Simon. Excuse-moi, t'es... Ah, déjà. Taekwon, dodo. Je sais pas comment on le dit. Taekwon... Ah, merde. Taekwon, dodo. Voilà. Où est ta femme? Mâle. Me dis pas que t'es en couple avec un autre mâle. C'est ça qui m'a... Ça m'intéresserait pas, en fait. C'est pas que ça me dérange. Je vais rouler dessus, ma peau. Je te veux pas de mal, grosse bestiole. Voilà, simplement à celle-ci. Hop. J'aimerais aussi que tu... Ouf, DB. Oula. Oula, il aime pas du tout ces baies-là. Ou elle, hein. Ouf, les meilleures baies du monde.
Voilà, ça c'est plus efficace déjà. Donc j'ai sifflé la passivité. Très bien. A l'air de marcher. Est-ce que mon couple de dodo va se mettre à procréer? C'est la seule chose qui compte. Taekwondo et... Oh dodo, les petits. Voilà. Ça, c'est fait. L'objectif étant de pouvoir procréer et créer de la bouffe. Voilà, vous m'expliquiez, les amis. Oh là là. Non, ça va, c'est pas une bestiole violente. Une bestiole effrayée. Qui n'est pas non plus un super bon signe, admettons-le. Mais expliquez-moi comment on fait des bébés dinos. Pour de vrai, hein. Non, tiens, expliquez-moi comment on fait des bébés dinos. Et le meilleur commentaire sera épinglé, montré, débattu dans la prochaine session. Hein? D'accord. Ah bah là, je viens de trouver. Ok. Oh bah, on n'est pas rendu, hein. Oula, j'ai perdu ma... Voilà, allez, bouffe. Bouffe. Voilà, c'est bien. Récupère. Bonne fifi. Un petit peu de peau. J'aurais compté une autre bestiole. Et avec cette peau, on devrait être à même enfin de pouvoir faire effectivement ce jouet-là. Il nous faut maintenant plein de fibres et plein de peau. Ouah. Ouah, l'erreur. L'erreur. L'erreur de votre part. Bou bou bou. L'agression ratée. Ouh. Plus de dodo ici. Taekwondo dodo. Taekwondo dodo. Hop. Merci. Oh, c'est quoi ces trucs? Ok. Je suis sans doute le premier surpris. C'est très étrange. Très 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 étrange ces bestioles. Il y en a une là en plus. J'aimerais que tu deviennes passif, mon ami. Je suis sûr que ce sont des bestioles intéressantes. Yes! Je sais pas ce que tu vas aimer. Du coup, je te mets ça. Ça a pas l'air de te faire kiffer. Ah, je me suis trompé de bouton. Si je te mets... Si je te mets... Des excréments. Marche pas. Pourquoi pas des baies comme ça. Ah. Là, ça a l'air de marcher. Bon, on s'approche du moment fatidique, hein, chers amis. On s'approche du moment fatidique. C'est déjà ça. Ah, on a récupéré de la viande à varier. Génial.
Skeva, ma viande avariée, j'aimerais la récupérer. Quand j'appuie sur T, ça la vire, en fait. C'est peut-être pour ça, en fait, que depuis le début, j'en trouve pas. Dommage. Hop là. 98, pardon. C'est vrai, j'aurais peut-être dû lui donner de la viande normale. Finalement, je suis à moitié con, peut-être sur les bords. J'aurais kiffé de la viande. Oh, mon pauvre. Je me disais aussi, t'étais plus là. T'as le don, quand même. Hein. J'en pense. Ah 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 ah. Tortipousse. Voilà. Cool. Tortipousse, je te choisis. Alors, je sais pas comment faire le ciment. Donc, ça, le problème, c'est que je sais pas comment faire le ciment. Ah bah. Cool. Cool, mais j'ai plus le niveau suffisant. Bon, tant pis. En tout cas, on a moult bestioles autour de nous, ce qui est assez cool. Tant qu'il n'y a pas un Reaper Léviathan qui sort de l'eau. Vous, peut-être considéré comme assez cool, je pense. Bon, je vais être honnête, j'ai fait ça, je me demande pourquoi. J'ai l'impression que ça marche pas. J'ai l'impression que ça marche pas, donc blabla. C'est cool, je vais le laisser dehors quand même, mais... J'ai pas du tout l'impression d'avoir fait ça pour rien, c'est génial. Alors, je viens de trouver ça, chers amis, les échelles en bois. J'en train de chercher un petit peu ce que je peux trouver. Échelle en bois, 4 bois, 7 branchages, 4 fibres. Je les prends pour une bonne raison. Actuellement, si je continue à attendre que la truc arrive, il va me falloir attendre encore un demi-level. Et là, en fait, ce que je peux peut-être faire, c'est directement... en faire 5. Commencer à essayer de grimper la montagne. Ça serait cool. Je sais pas si c'est faisable, je sais pas si ça peut m'être pratique. Ça se trouve, ça va me servir à rien d'avoir fait ça, hein, clairement, hein, c'est tout à fait possible. Vu que c'est marqué haute structure, c'est vraiment le terme qui m'inquiète. On va bien voir. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Vous voyez? C'est qu'elle se pose de manière complètement inconnue. Là, c'était la plage, pas de chance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si je vais... Ok, une fois de plus, c'est du gaspillage. Génial. Bon, bah... Sauf si... Elle se place... Ah, attendez. Si elle se place sur une fondation, ça peut être simple. Je peux peut-être faire quelque chose. Je suis peut-être pas coincé de chez coincé. Ah ah. Ah bah bien, il se met à pleuvoir. Mais v'là le jeu, comment qu'il me rajoute de la difficulté, quoi. Ah, j'y suis presque. Hein. J'y suis presque. J'y suis presque. En plus, c'est la fin de la journée. Dans le jeu. Hein. Allez. Allez. On y est presque. Allez. On est bon. On est bon. Ok. Maintenant. Pas l'air de trop dire non. Plutôt une bonne chose. Ne glisse pas dessus. Il a l'air de l'accepter. Bon, il a l'air de l'accepter. Je pense que si je rajoute... Ok, bon, il veut pas. Déjà là, ça met dans l'ambiance. Et si je saute là, il y a 95% de chances que je me bute. Ça veut dire... ça passe. Oh putain. Oh putain. Mon truc a fonctionné. Mon truc a fonctionné. Oh nom de Dieu. Question maintenant. Est-ce que ça veut dire que je peux poser une fondation? Ah merde, je suis en train de mourir de faim. Est-ce que j'ai de quoi faire une fondation? Non, il me manque des branchages. Je vais aller en chercher. Ok.
C'est la construction, en fait, qui me pose problème, moi, personnellement. Des trucs, c'est-à-dire, c'est leur... Oh, oui. Oh, ouais. Oh, chers amis. J'ai réussi mon coup. J'ai pensé à un suicide. Franchement, je pensais que ça allait amortir un peu plus. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi haut, sans doute. En tout cas, on va se laisser là pour cet épisode-ci. Et on se retrouvera dans le prochain. Étrangement, mes dodos se sont déplacés. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont tous regroupés avec les autres. En tout cas, moi, chers amis, je vous retrouve dans le prochain épisode. Cet épisode, j'aurais mis donc 2 heures à le tourner. Mais pas grave. Hop, on est au chaud. Pas encore. On est au chaud. On est au chaud. Au chaud. On est au chaud. Et je vous retrouve dans le prochain. Salut les gens. Et yop!